Bonjour à toutes et à tous, ici AishTX. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour l'épisode numéro 2 de ma série sur Wolfenstein. Enfin, je dis série, mais c'est plutôt le let's play. J'ai peut-être la voix un peu grave en vidéo, je sais pas trop ce que ça donne, mais c'est semblant que j'ai attrapé froid et je commence à tomber malade en fait. Donc, voilà, tout simplement. Donc, il y aura, je pense, quelques vidéos let's play auxquelles j'aurai la voix grave du fait que là, en fait, je suis en plein dans les montages. En fait, j'ai pas joué depuis le premier épisode. Je suis vraiment en train de tout faire les montages histoire de faire quelque chose de propre et correct et pouvoir proposer en fait la série assez régulièrement. Donc voilà, je fais des petites intros parce que justement il n'y a pas d'intro en fait dans le deuxième épisode. Ça va directement partir sur le gameplay. Du fait, comme je vous avais expliqué dans l'épisode numéro 1. Et puis voilà, donc j'espère que l'épisode numéro 1 vous a déjà plu. J'espère que le 2 vous plaira tout autant, si ce n'est mieux. Et puis on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 3, etc., etc. Et la série, bien évidemment, sur Watch Dogs. Sur ce, bon visionnage à tous. N'hésitez pas à laisser un like, ça me ferait super plaisir. Bye bye. Oh, bande de salopes! Je sais pas qui m'attendait. Ah, j'ai pris de la vie, nice. Et aussi, il y a un truc que j'aime pas sur la manette de PS4, c'est que je peux pas jouer en clos. C'est juste horrible cette manette pour jouer en clos. Donc, du coup, je suis censé jouer en mode normal et je supporte pas en fait jouer de cette façon-là. Juste horrible. Le clos, c'est la base. La base de la vie, les enfants. Moi, si vous me le savez. Oh, pute! Oh, les gars, oh! Oh, il y a la tourelle en plus. Il y a la tourelle. J'ai un mode furtif ici. Je sais pas si je peux. Oui, je peux. Bon, tu me diras, je suis un peu spotted. Hein. Pas très discret. Ok, ça c'est fait. Hop, hop, hop. On rush, on appuie plein de fois avec sur carré. On embarque tout sur notre passage. À balayer. Il fallait balayer. J'ai 60% de vie, c'est pas masse tout ça. Ben, oh, c'est quoi ça? Des grenades. Why not? Ah, de la vie, de la vie. Enfin, ouais, de la vie. C'est ça, hein, de la vie. De l'armure. Ah, armure n'est pas égale à vie, d'accord. Ah oui, bah oui, forcément, il y a les deux logos en bas. Bon, par contre, c'est un peu con. Genre, tu ramasses un casque, et le casque te donne de l'armure. Et en soi, enfin, tu peux ramasser 15 casques. Enfin, voilà. Nice, tout ça. Là, j'ai rien à prendre. Utiliser, maintenir pour retirer. Ok. Bon. Ah, d'accord, c'est explosif. Oula, oula. On va reculer. Pourquoi je tire? Wow! Ok. Je pensais que ça avait rien fait au début. On va aller par là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon. Ok. Donc, normalement, je l'ai dit tout à l'heure, si je me trompe pas. En gros, bah, je vais enchaîner plein d'épisodes à la suite là parce que j'ai vraiment envie d'y jouer. Ça fait un moment que j'ai envie d'y jouer à ce jeu. On va se peut-être, je crois. Non? Bien. Ah. Ok, on se calme. Peace! Et en gros, voilà. Vu que j'ai vraiment envie d'y jouer, bah. Prévu de le sécher. Aujourd'hui, c'est le jour où je peux le sécher. On va commencer à le sécher. Donc nice tout ça. Ok, on bouge. Ah, petite grenade pour toi. Pour de l'autre côté. Intéressant. Ok, on cogne, on cogne. Oula, oula, oula. Donc voilà, moi je trouve ça enfin pas original, mais je trouve ça bien de faire quand même de temps en temps un jeu complètement solo. Jeu complètement solo
qui voilà qui apporte. Moi je trouve ça apporte de la diversité quand même. Attends, hop, vas-y donne. Parce que voilà, maintenant on n'a que des jeux multijoueurs auxquels si on n'est pas fort dessus, d'accord, si on est nul par exemple, généralement on n'est pas forcément tous forts sur un jeu. Et ben, généralement, on se fait critiquer parce qu'on fait une vidéo dessus. Genre, ouais, tu fais une vidéo, t'es pas fort, etc. Maintenant, je prends l'exemple de Call of. Maintenant, si on fait une vidéo de Call of Duty et qu'on n'a pas un bon niveau, on peut pas faire de Call of Duty. On n'a pas le droit. Les gens te disent, t'es une merde, tu ne fais pas ça. Et le fait d'avoir justement. Merde. Le fait. Ouh, le petit saut. Le fait d'avoir un jeu solo comme ça, où on met notre level, eh ben, ça va pas se baser sur notre niveau, mais ça va se baser en fait. Simplement sur. Sur l'envie de voir les gens. Enfin, comment dire. Les gens qui vont nous regarder, eh ben, c'est des gens qui vont tout simplement. Vouloir principalement regarder le youtubeur et non. Le. Enfin, oui, le jeu aussi, mais parce que le truc, c'est que. Moi, je suis un peu en retard parce que. Il y a plein de gens qui ont fait la vidéo. On fait des let's play, etc. Donc, après, bon, ça aux F, parce que voilà, chacun fait son let's play à sa façon. Mais. Chacun fait le let's play à sa façon. Et en gros, vu que chacun fait le let's play à sa façon, bah, personne ne va dire, ouais, tu fais de la merde, etc. Tu copies machin. Moi j'espère, parce que voilà, si on commence à faire ça pour tout, c'est un peu relou. Mais, oula, oula, je commence à mélanger plein de choses en vous parlant. Enfin, je vous parle de. Oula, je parle de. Oh, oh, c'est quoi ça? Ok. Allez, double STG 44. Nice, nice tout ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Ok, ah oh ouais, à l'ancienne! Oula! Faut que je tire sur quoi? Ah, ça! Quoi le point faible? C'est là-haut? Il y en a pas. Là, je pense que c'est là le point faible. Oula, c'est là le point faible! Tire! Tire! Tire, Zoumam! Nice, bro, voilà! Ça, mec. Oula, oula. Yeah man. Merde, non, je le voulais pas. Non, je voulais pas revenir dedans. Ok, nice. Pêche. Non, mais. Hé, hey, Coco, je te veux plus là, c'est bon. J'ai pété le monstre qui je fais je sais pas quoi. Oula, au bac? Mais non. Il y avait un mec tout à l'heure ici. Il a eu peur et il s'est enfui. Ah, ok. Ah, qu'est-ce que c'est? Berlin, 10 juillet, c'est grand cri. Nous avons un entretien accordé exclusivement à notre journal, notre cher Führer. A discuter de Fortnite. Ok. D'ailleurs, j'ai entendu dire un truc sur ce jeu, c'est qu'au début du jeu, il y avait des croix gammées, dont. On va appuyer, alors, je sais pas trop qu'est-ce que ça fait. On appuie, voilà. Ça remonte. Et si on se dépêche? Quelque chose? Non. À quoi ça sert ce machin? Bon, ok. Disons que ça sert pas à grand-chose, hein. Du moins si c'est là. Merde, je suis spotted. Si c'est là, je pense que il y a quelque chose à faire, mais genre tout à l'heure, je pense. Raider? Non, c'est bon. Moi j'avance et je tire, moi si je suis comme ça, moi. Oula oula. Peut-être pas de mal. Double rechargement, vous avez débloqué un atout. Ah! Un atout pour ça. Ah, il y a des atouts tout court! Hop, hop. T'es pas au courant. Oh merde! La tourelle, la tourelle. Personne, non, c'est bon. Mais je sais pas, il y avait des atouts, d'accord.
Là, va falloir que je check un peu tout ça. Merde, je meurs. Donc c'est pas par là. Bon, en tout cas, une bonne campagne à l'ancienne, moi, comme je vous l'ai dit. Ah, y a un mec! Fallait le voir celui-là. Hein. Je tire où maintenant? Là. Ok. Il prend pas. Ah, d'accord, c'était pour déblayer le passage. Cache. J'ai compris. Bah, faut. Comprends vite. Mais faut m'expliquer longtemps, vous le savez de toute manière. Hein. Ok, on prend des munitions. Droite, on rush, on rush. Ah ouais, à part ça, je sais pas trop, ça fait combien de temps que je fais un live, donc... Ah, ça c'est la bonne blague. Le truc c'est que seulement... Oh pute! Oui, effectivement, je m'y attendais pas. Je suis obligé de... Non, d'abord, je vais voir ce qu'il y a ici. Voilà, il y a un machin. Ça. T'es toujours en train de me tendre la main. Tu tends la main à qui, juste? Bon. Ok, let's go. Mais oui, je sais pas ça fait combien de temps que je live. Des années que nos forces n'ont pas été aussi près du général Strasser. Une sale blessure, soldat. Soignez-la bien. On élimine le général, on enraye la machine de guerre des Boches. Sinon, c'est eux qui vont nous bouffer. Bon. Ça va, fiston? Non, j'ai les yeux qui piquent et je crois que je vais être malade. Est-ce que c'est normal? C'est les nerfs. Je vais t'apprendre un truc. Inspire. Compte jusqu'à 4. Expire. Compte jusqu'à 4. Alors tout le monde est prêt? Cette fois-ci, on va faire le boulot jusqu'au bout. Exactement, Jean Moule, on va faire le boulot jusqu'au bout. Allez, on y va, on y va, on y va. D'un coup, dès que ça redémarre, ça tire de partout. Hein. Eh bah, t'es fatigué ou quoi? C'est à la guerre, pas sur les mots de la guerre. Comme la guerre. Bah, allez bouger là, ça tire, les gars, hein, si jamais. Ah oui, c'est toujours le flashback. Putain, à chaque fois, à force de jouer, on oublie que c'est le flashback. À part ça, je n'ai même pas fini le truc des croix gammées, mais deux secondes. Ah ouais, je l'ai vu en vidéo cette séquence. Je crois que c'est la séquence où on monte et on tire en même temps. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Gâche. Normal, petit lancer, tac tac et tout. Moi aussi, je vais faire ça. Ok, donc je vous disais que. Alors, premier truc pour les croix gammées. Les croix gammées, j'ai entendu dire qu'au niveau de Blizzard, ils avaient l'ordre d'enlever la plupart des croix gammées parce qu'il y en avait juste trop en fait. Pour. Mais juste énormément de croix gammées. Donc du coup ce que j'ai compris, ils ont eu l'ordre d'en enlever beaucoup de croix gammées sur les personnages, sur les murs, etc, etc. Ok. Là je vais faire péta. Il faut que je décale, non? Voilà, tac tac et tout. Bon, je pense qu'on peut monter maintenant. Et en fait, hop, allez, viens là, coco. Oula, oula, c'est mitrailleuse. Oula, on rigole plus. Ah, c'est bon, il est mort.
Et justement, bah voilà, je comprends pas trop, sachant que c'est un jeu vidéo. Enfin, bon, ok. Et puis, autre truc, c'était quoi? Je vais vous dire un autre truc, mais je sais plus quoi. Donc, voilà, j'ai eu l'entrée de mon père en live. Non, il est pas rentré, il est juste venu. J'ai juste dit de partir vite fait parce que il sait que je fais des choses sur Internet and it's complicated. Ok, là je dois quitter, je pense. Nice. Donc, ça fait. Bon, dès que j'ai 1 giga de vidéo, il me reste encore 200 mégas. Et bah, à partir de là, j'arrêterai le live. Je pense que ça doit faire une demi-heure peut-être. Je sais pas. En tout cas, sachez que tous les prochains épisodes feront. Ok, il faut que j'aille là, mais je vais aller ailleurs. Un petit peu ce qui se passe. Feront 30 minutes du moins. À partir de maintenant, je vais chronométrer. Parce que j'ai oublié que j'avais pas le temps inscrit. Donc, ok, je dois appuyer ici, mais il n'y a pas d'autre chose. Non, c'est voilà, c'est très chiant. On appuie. Descendre, non? Ah oui. Cache. Une surcharge, mais pourquoi pas? Ok, est-ce que je peux, je descends ou je descends pas? Descends, je suis comme ça. Ok, erreur ou pas erreur? C'est la question. Mais attendez. Ah, le trou il est là. Bon, ok, je suis descendu. Je peux plus remonter. Ouah, je devais aller là-haut, mais j'ai pas respecté. Pistolet. Oh, nice! Un petit... Ah ouais! Les atouts! Ah, c'est ça! Non. Pause. Ah non. Ça, oui. C'est sur le pavé tactile. D'accord. Note. Parce qu'en fait, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est note. Progression dans la base. Ok. Atout. What's that? Donc. Furtivité, tactique, attaque, démolition. Il a tout déjà mis. Je sais pas c'est quoi. Ah, non. Accroît la capacité en munitions de toutes les mitrailleuses. Ouais. Victime à mitrailleuse montée. Donc. Ah! Faut que je fasse 20 kills et puis j'aurai l'atout en fait. Ah d'accord, je pensais que c'était des atouts qu'on débloquait et qu'on rajoutait. D'accord. Fort intéressant. Ensuite, collection. Donc ça c'est des papiers que je chope, que je lis pas. Est-ce qu'on peut lire? Ah oui, c'est là qu'on lit, d'accord. Mais hein, vous avez compris, je veux pas trop lire. Artbook. Pas débloqué. Personnage. Ah, c'est la biographie un petit peu de chaque personnage. Il n'y a pas genre les robots. Ah oui, il y a ça. Alors, le Panzerhund est l'un des premiers prototypes de robots à sortir de l'atelier du général Strasse. Il a d'abord été déployé sur le front est. C'est bon, le chaos. D'accord. Et ah, ça c'est. Oula, il a pas d'œil. Bon, ok. La définition, on la lira un autre jour. On verra. Let's go. Donc, où dois-je aller? Par ici. Donc là, il faut ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Moi, j'aime bien regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Ah, mais au final, retour casse départ, en fait. D'accord. Ok. Il y a un chien qui m'agresse. Oh, j'ai fait l'esquive du siècle. Cut, mon gars! Cut, mon gars! Direct, éclaireur, vous allez débloquer un atout. Yeah, man. Surcharge de 20, why not? On prend ce qu'il y a. Bon, on va monter par ici, on verra. Ah, j'ai envie de monter, mais en même temps, j'ai envie d'aller ailleurs. Attendez. Je vais faire un petit tour en bas. Je pense que ça mène au même endroit. Je pense que c'est le même endroit. Donc là, ok. Puis le dernier truc, c'est ici. Là, on est déjà. Là, oula, le chien, cut, allez, cut, défonce-moi ça. Je sais pas si c'est moi qui le fais ou pas, mais je pense que oui. Quand je mitraille mon bouton.
Oh, Richard, toi, tu vas te calmer de suite, voilà. Hein. Là, par contre, je vais crever, je pense. Mais qu'est-ce qui vient par derrière, celui-là? Oula, oula. Voilà. Moi, j'arrive. Ta cut, mon gars. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? On change d'arme. Ah oui, c'est comme ça. Donc là, en fait, on peut prendre ça, ça, ça. Oh, le Walter, mec. Ça, c'est du gun de l'époque. Ouais, c'est ça, c'est Walter. Ouais. Pute. Oui, oui, effectivement, c'est moi qui gut. Je crois. Ok, vas-y, je prends mes SCG. Il n'y a pas le nom des armes. Hein. Non, je pense pas. Moi, je rush, mon gars. Moi, je te défonce, moi. Défonce, moi. Oula, oula. Bon, pour les rechargements, t'as pas besoin de recharger très longtemps. Hein. C'est ça, c'est ma constatation. Genre, tu peux couper... Alors, tu peux couper le chargement pour à nouveau tirer après. Why not? Why not? Moi, ce qui m'impressionne dans le jeu, c'est vraiment quand tu cours, en fait. Tu cours super vite. Ah non, merde, là, on revient où on était. On va rester ici. Là. Arrête, arrête, voilà, tu sais que tu vas crever. Et où est-ce qu'on est? Là, il y a des balles. On va rester ici, on va prendre ça. Là. Ok, une épée en or. Discrète en même temps. Bon, je dois aller monter là-haut. Mais en fait, attendez, j'ai une bague un coup. Parce qu'il y avait un autre. Et en fer là, non, même pas. J'ai envie de descendre. Qu'est-ce qu'on fait? On descend ou on descend pas? Théoriquement, faudrait monter les escaliers. Mais nous, on va pas faire ça. Nous, on est des rebelles. On se met ici et genre on prend les munes, on prend ça. Attendez, ah, faut que j'aille là. J'étais là, ah oui, bon, les deux portes sont fermées. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, d'accord. D'accord, ok. Donc le machin, en fait, j'étais pas censé tomber. Ok, ah non, c'est pas ce côté-là, c'est ce côté-là. Non, c'est pas ce côté-là, c'est ce côté-là. Ok, monter là-haut. Ok, let's go. Et on va monter là-haut. C'est parti. Merde, j'aurais dû la faire en furtif. Oh pute. J'aurais voulu la faire un petit peu en discret cette fois-ci. La prochaine fois, on se la fait en furtif. Chien. Voilà, nous, on tire au jugé, on est comme ça. Là, mon shoot, mon shoot. Là c'est bon. Là-haut, il se cache. Il canne de suite. Oula, il a explosé. Est-ce qu'il avait des bombes sur lui? Ça je sais pas. Bon, est-ce que le normal c'est trop facile? Parce que si c'est trop facile, c'est un peu chiant quand même. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Donc à voir. Là-dedans. Ah merde, je voulais rentrer dedans. Les bottes de conseil, Robin. Des cœurs. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici maintenant? On va monter. Oula. Allez. Droite. Droite, non. Gauche. Pas de papier, là, non. Ah mais au pire c'est une surcharge donc Osef. Bon. Oula, il est un peu bizarre le ciel. Plutôt courir hein, au lieu d'aller challenge. Oui, ça continue. Et là c'est fermé, là on va monter du coup. Là, le chien. Voilà.
Voilà. Il se peut aussi que les prochains épisodes, je les fasse en live. Attendez. Bon, pourquoi pas. Allié ou ennemi, allié. What? Ah carrément, je peux normal le prendre dans mes mains. Ok. Ou pas, moi je voulais juste l'utiliser. Mais est-ce qu'il meurt? Non, il meurt pas. Hein. Ah si, il meurt, quand même. Voilà. Voilà. Bon voilà. Il n'y a plus de balles, on laisse tomber. On va se balader un peu. Tire d'où ça, tire d'où? Allez là-bas. Ah bah en fait je crois que c'est des bots, ils reviennent à l'infini, je crois qu'il faut que je me dépêche et aller à quelque part d'autre. Ah non. C'est pas ça en fait je crois. Non, ce n'est pas ici qu'il faut que j'aille. Oula. Moi je parle mais en même temps les 1 giga de vidéos sont passés. Alors attendez, en fait je comprends pas trop où est-ce qu'il faut que j'aille. Ouais en fait faut que je les tue quoi en fait. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ok, mais du coup, il n'y a plus de. Mais j'ai plus de balles. Bah, tirons. Okay. Ah, mais c'était pas mes potes. Ah, si, c'est mes potes. Bon, là où ils sont morts, en bas. En bas, ils veulent pas mourir. En bas, ils sont pas du genre à mourir. Et le last ici. Là. Ok, donc on finit ce passage là et puis on va skider là dessus. Ah, il y avait une arme là bas. On lance une grenade. Non. Et. Ok, ça c'est bon. Allez, allez, on tombe. Bah, la tête ne suffisent pas. Moi-même, j'aurais pas fait mieux pour buter ces nazis. Ah bah hein. On se dirige vers l'épave de l'avion. Donc c'est parti. Let's go. Ah, c'est maintenant que je dois y aller en fait. Ensuite. Je pense qu'ils vont me prendre en fait simplement. À moins qu'ils me laissent ici. Laissez ici monsieur. M'en fous, tu vas me laisser ici ou pas? Mais ça va, moi je te balance pas des machins en pleine gueule connard. Salaud va. Plein de respect tu sais. Allez je te pense une barre de fer dans la gueule, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, oh, miraculeux. C'est nous allez. Ok, on va se stopper là-dessus les cocos. Je vais manger quelque chose parce que je crève de faim. Mais on va ensuite reprendre le walkthrough. Que je suis très content. Oh pute. Ah oui, j'ai fait comme ça, j'ai frappé la bouteille. Ok, bon, excusez-moi. Hein. Donc voilà. Premier épisode, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Juste en bas, j'ai laissé les donateurs parce qu'en fait, si vous voulez, j'utilise mon logiciel de stream parce que de base, j'étais censé streamer, mais je voulais voir que tout fonctionne bien, etc. Au lieu de faire 1 giga de vidéo, ça fait 1,2 giga, donc 200 mégas supplémentaires. Voilà, vous êtes gagnant, vous êtes bénéfique. Mais par contre, le prochain épisode sera beaucoup plus court. Je pense, je dois taper 40 minutes, je pense, entre 30 et 40, je pense. Très content encore une fois de ce let's play. Le jeu
Voilà, je l'aime bien. C'est pas le meilleur jeu, mais voilà, ça me rappelle un petit peu l'époque de Code 5, avec chaque chapitre qu'il fallait avancer. Donc le premier chapitre, le second, etc. Et il fallait avancer au fur et à mesure. Donc ça me fait un peu rappeler ça. Donc c'est vraiment cool. Donc sur ce, bah, moi je vais vous dire à très bientôt pour l'épisode numéro 2. Je sais pas encore comment je vais faire, comment je vais m'organiser pour les uploads. Donc je pense que avant l'épisode 1 ou juste après en fait, je vais faire une mage. Et justement je vais parler de ce Wolfsrulla là, donc ce let's play sur Wolfenstein, et sur un second let's play qui sera sur Watch Dogs, à moins qu'il ait déjà sorti avant celle-là, mais je ne pense pas. Donc voilà, super, super. D'ailleurs c'est la première fois que je fais un let's play sur ma chaîne. Un let's play tout court. C'est la première fois. Je pense que je vais en faire de plus en plus de let's play de ce genre. Et je vais, comment dire, je vais. Voilà, j'ai d'autres jeux en tête que je vais faire. Donc à voir par la suite ce que ça va donner. Mais j'ai très hâte. Vraiment, j'ai très très hâte. Donc sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et à la prochaine. Bye bye!